Une fois par lustre, les dieux de l'Olympe se réunissent à un banquet en pleine nature. Tous sont invités, pourtant, certains décident parfois de ne pas venir, à cause de vieilles querelles. Les dieux ont sale caractère, un peu comme les humains. Mais voilà que les muses s'amusent déjà et batifolent entre les arbres, sur l'air de la harpe divine de leur chéri, le dieu Apollon. Ce dernier, ne vous en déplaise, mesdames, restera en retrait pour ne pas faire d'ombre aux héros de cette histoire. Tout comme le fougueux Mars, occupé à la stratégie guerrière pour défendre l'honneur de son papounet. Mais si, vous le connaissez. Vous connaissez son père. Mais si enfin le dieu des dieux, Zeus. Le voici d'ailleurs en compagnie de sa fidèle épouse, Héra. La pauvre ne passe plus les portes tant elle est trompée par son coureur de mari. Enfin, ça ne nous regarde pas. Surtout dans cette histoire. Je crois que je suis amoureux. Et je crois ne pas être le seul. Ah, Vénus. Tu n'as pas volé ton titre de Miss Univers. Héphaïstos, dans son volcan, s'apprête à laisser ses outils de forgeron pour rejoindre ses collègues. Dont Mercure, le dieu messager, qui répand les nouvelles du monde plus vite qu'un smartphone 4G. Si, si, je vous assure. Mais chut! Voici Diane, la chasseresse. Ne vous faites pas repérer, surtout si vous êtes un homme. Je reconnais entre mille cet œil vif et sage. Athéna, déesse de la sagesse, passée maîtresse dans l'art du camouflage. Secrétariat des dieux avait commis une terrible erreur en envoyant les cartons d'invitation. Ils avaient oublié de leur liste quelqu'un des plus coléreux et rancuniers, qui n'allait pas leur pardonner. En apprenant qu'elle n'était pas invitée, Eris, déesse de la discorde, piqua une colère dont les murs de sa tanière se souviennent encore. Dans sa tête, une voix criait « Vengeance ! Vengeance !» Et alors que Zeus entamait l'hymne célèbre des dieux, I believe I can fly, Eris débarqua à la petite sauterie et leur proposa, en divertissement, d'élire la plus belle déesse, espérant secrètement semer la jalousie entre elles. Les dieux, friands de ce genre de jeu,
acceptèrent sur le champ. Les trois concurrents désignés furent, de gauche à droite, Vénus, Héra, Athéna. Que la meilleure gagne ! Eris, quant à elle, alla trouver Paris, un jeune et beau berger, pour le charger de distribuer la pomme d'or à la plus belle. En cadeau, le jeune homme recevrait l'amour d'Hélène, jeune et belle humaine, ce qui créerait plus tard la guerre de Troie. Sacré Eris ! And the winner is... Vénus! La pomme de la discorde avait créé une autre jalouse. Pourquoi Diane n'avait-elle pas été nominée? Qu'avait-elle à envier aux trois autres? Sa beauté était-elle trop brute et naturelle? De rage, elle en brisa son arc à flèche. Vénus était envoûtée, hypnotisée par l'éclat de la pomme d'or qui brillait en elle. À tel point qu'aveugle, elle ne vit pas Diane pénétrer dans son appartement. La voici. Elle s'empara du plus précieux présent de Vénus, la pomme d'or. Et Diane la jeta sur la terre. Il y a tout ça rangé, c'est ma couleur. Oui. Bonjour, pourrez-vous m'indiquer le centre de recherche? Vous y êtes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'aimerais rejoindre votre groupe. Un moment, s'il vous plaît. Justement, on avait besoin d'aide. On va te montrer le fonctionnement. Un rang, s'il vous plaît. Pour le rentrer. Vous venez d'asseoir. Alors en fait on cherche des volontaires pour ce projet, donc c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur, particulièrement le professeur de sciences, évidemment, vu que c'est lui qui a lancé le projet. Donc on peut peut-être dû voir, d'entendre, faire des petits bruits à ce sujet, vu que voilà, ce qu'on aime faire dans l'école, en fait, c'est ce qu'on appelle réintroduire la biodiversité dans la ville. Donc, Marwan, c'est sérieux ce que je raconte. Donc, je disais réintroduire la biodiversité dans la ville, mais c'était enfin, mais vous avez déjeuné aujourd'hui. Ton journal de classe, Mélie. Ah, sérieux. Tu veux le rendre comment, s'il te plaît? Comment? Me le donner. Merci, Mélie. Et maintenant, prenez votre cours. Madame, j'ai pas mon cours. Marwan, c'est déjà la deuxième fois cette semaine. Marwan, c'est sérieux ce droit qu'on vit, hein? Désolée.
Donc, nous cherchons des volontaires pour ce projet, donc qui consiste... Laquelle? Tu devras lancer une boulette de papier sur le prof de maths. Ça va être marrant, comme la dernière fois au cours de français. Vous ne serez pas déçus, les gars. Si tu rates, on tabassera. Ça changera pas grand chose. Léa tombée dedans. Ah ouais, c'est tout frais avec la boue. On a quoi après? Oh, regarde. Oh, c'est quoi, on dirait une pomme jaune. Elle a l'air trop bonne. Arrête, elle était dans la boue. Ça va sonner. On va être en retard. We'll be right back.
Du premier degré à une inconnue. Alors, on va apprendre à résoudre ceci. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée ? Non, personne ? Donc, l'objectif, c'est de déterminer la valeur de x, qui est l'inconnu. Donc, on va essayer d'isoler l'inconnu, ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour passer de ceci à ceci ? 7-3 ? Oui, c'est ça. Oui ? But that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it. Tu viens d'où? Mais j'ai raté le bus. Va t'asseoir là dans mon fond. In Spain, the best upper set. Ok, prends ton cours, le chapitre sur les équations à la page 227. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the film. Je suis la plus belle. Miroir, mon bon miroir, rien. Iris, toi qui es moche, dis-moi ce que c'est. Toi qui passes tout ton temps devant ton miroir, tu devrais te cultiver un peu. Ceci est un furoncle, ma chère. Eh bien, pour une déesse de la beauté, tu n'es plus très fraîche. Je ne comprends pas comment tu as pu gagner mon trophée de la beauté. Si vous voulez mon avis, elle l'a bien mérité, son furon. Je croyais qu'on était amis. Oui, tu croyais. La voilà. C'est la petite cache? Qu'est-ce que tu me veux? Christina est devenue subitement jolie. Dis-moi ce que tu sais. Chiara, tu saignes? Qu'est-ce que tu as? To allay your dread.
Des soldats vu qu'ils étaient tous en armure. Par contre, je n'ai rien sur la pomme. J'ai daté le glaive et le casque en comparant leur forme et leur matériaux avec notre base de données. Ça correspond aux armes de légionnaires romains du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les résultats sont donc corrects. Le squelette date de 2000 ans et appartiendra à un légionnaire romain. Et les analyses d'ADN, ça donne quoi ? Il y a un gros problème, j'ai comparé l'ADN du squelette avec différents ADN humains et j'ai trouvé des différences bizarres, des différences que je ne peux pas expliquer. J'ai aussi vu que cette anomalie était commune au squelette et à la pomme. Cette séquence est une anomalie génétique et pour l'homme et pour la pomme. Et je ne vous ai pas tout dit, j'ai prélevé un morceau de la pomme et regardez par vous-même, plus aucune trace, c'est comme si la pomme s'était régénérée. Si je n'étais pas scientifique, je dirais que la magie existe. Préparez-vous à attaquer! Chargez! Yeah! I sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between. The old love and the new love. The old for her, the new that made me think all Ireland dearly. While soft the wind blow down the glen, he shook the golden barley. His heart the woeful words to pray. That bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains. Faut vous interroger, Laura. Tu sais pas le faire toi-même? On lui a fait un peu trop peur, je crois. C'est bon, on va faire un sale boulot. Ce n'est quand même pas normal que Vénus est en tout. C'est bien fait pour elle si tu veux ma vie. Non, l'équilibre du monde est perturbé. Et pourquoi t'es là? Vénus, c'est la beauté. Si elle devient laide, rien ne va mieux. J'ai quelque chose à vous avouer, les filles. Tu en fais quoi?
Et Diane résuma à nouveau toute l'histoire. La jalousie, la très très grande jalousie. Eris expliqua à Mercure que la pomme est du domaine des dieux et qu'elle doit absolument être récupérée. Attendez, qu'il y a quoi ? La tête, très lourde. Je ne trouve plus d'affaires. Tu peux compter sur moi, mais... Accroche-toi bien. Avec cette pomme qu'on a trouvée dans la mare. Une pomme ? Allez, raconte ! Une pomme en or qu'on a trouvée dans la mare. Une pomme en or ? Ça me rappelle vaguement quelque chose. La pomme d'or. Je crois que c'est une histoire de Coromon. Comment tu sais tout ça ? Il suffit d'écouter quand on attend. La pomme d'or ou la pomme de la discorde. La dis quoi ? La discorde, la dispute quoi. Ah ben oui, ça tu connais. Les déesses, plus courageuses qu'on ne le pense, débarquent finalement sur Terre. En tout cas, Anna, elle est devenue vachement jolie. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même bizarre. Il y a un truc là-dessous. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a ? L'autre jour, j'ai vu Anna croquer dans une pomme. Ouais, alors ? T'as fumé ou quoi ? On ne comprenait pas, c'est depuis lors qu'elle est devenue jolie. Tu veux dire que c'est une pomme magique ? Elle a trouvé dans la mare qu'on est en train de creuser. Et elle est où cette pomme ? Au labo scientifique. Plus pour longtemps ? On va aller la relier. Alors, Mehdi ? RS. Et toi, Marwan ? Toujours rien. T'inquiète pas, elle est dans mon froc. Quelqu'un vient. Rendez-vous dans la cave. Thank you.
ça va nous faire? Il y a plus qu'à essayer. Vas-y Antoine. Ne touche pas à cette pomme. Viens la chercher alors. Non mais c'est qui ces ploucs? Ils nous demandent qui nous sommes. On va voir. J'aurais presque peur. Donne-moi cette pomme. Sommes-nous amnésia? Thank you.